la France est l'un des pays les plus divers au monde et c'est une chance inouïe, mais cette différence, elle n'est pas toujours facile à vivre. Ce que nous, on essaye de faire, c'est que chaque jeune de convictions religieuses différentes, juif, chrétien, musulman, athée, mette ses convictions au service des autres et faire de cette différence une force pour vivre ensemble. Notre association organise des événements qui permettent à la fois d'avoir des temps de dialogue et de débat, de conversation sur nos différences. J'avais 16 ans quand j'ai créé l'association et je crois qu'effectivement, on est une génération qui a compris que les convictions spirituelles et religieuses font partie du monde d'aujourd'hui. Les musulmans sont français, les non-musulmans sont français et nous sommes tous des Français. L'idée, c'est toujours d'insister sur cette double réalité. D'un côté, qu'on est différent dans nos convictions religieuses et spirituelles, mais de l'autre côté, qu'on peut trouver des projets communs auxquels on va s'adresser. Non pas malgré nos différences, mais grâce à nos différences. Je m'appelle Samuel Gzibowski et j'ai fondé le mouvement Coexister.